salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Avedino. Après le A et le B, on passe logiquement à la lettre C, donc pas la peine de rien, c'est pour ce petit conseil de français, c'est cadeau. Bref, je suis toujours en phase de test pour trouver la méthode qui convient le mieux à cette série. Personnellement, j'ai pas trouvé mes deux dernières vidéos terribles, mais le sujet n'est pas là. Parlons dinosaures, et plus précisément, parlons du Carnotaurus. Déjà, première information, le Carnotaurus signifie taureau carnivore. Pourquoi taureau? C'est simple. Ce dinosaure possédait deux cornes sur son crâne, et entre nous, la ressemblance n'est pas frappante. Maintenant sa carrure. C'est clair que le Carnotaurus est beaucoup moins imposant que le Barosaurus vu dans l'épisode précédent, mais encore une fois, l'être humain paraît minuscule face à ce dinosaure. En effet, de par ses 7,50 m de long et ses 3,50 m de hauteur, il est beaucoup plus imposant que l'homme. Sans parler de son poids d'une tonne. Et pas d'inquiétude si tu viens d'Europe, les ossements de ce dinosaure se sont essentiellement retrouvés en Argentine. Comme vous avez déjà pu le remarquer sur les photos, le Carnotaurus possède des bras minuscules, encore plus petites que celles d'un T-Rex. Du fait de ses petites pattes avant, les chercheurs supposent qu'il devait charger ses proies à la tête la première. Et oui, je ne l'ai pas précisé, mais le Carnotaurus, taureau carnivore, est un carnivore. Néanmoins, on se pose encore des questions sur ses victimes. En effet, le Carnotaurus disposait de mandibules assez minces et sans doute trop fragiles pour s'attaquer à n'importe quel autre dinosaure. Cela casse l'image du méchant Carnotaurus que lui a donné Disney dans son film Dinosaure. Par contre, on suppose que celui-ci devait avoir un odorat très développé grâce à son museau. C'est bien l'une des seules choses cool qui lui reste. Et sans vouloir trop t'enfoncer ce pauvre petit dinosaure, je pense qu'il est quand même bon de rappeler que ses cornes n'étaient absolument pas un moyen de se défendre. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que les informations ont été plus pertinentes que les deux vidéos précédentes. Et j'avoue que cette manière de présenter les choses me plaît beaucoup plus. Merci d'avoir suivi, et s'il vous plaît n'hésitez pas à commenter, j'ai besoin d'avis et de retours sur les vidéos. N'oubliez pas de partager et d'aimer la vidéo, salut à la prochaine pour la lettre D. Bisous bisous.